Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de notre aventure. Je sais pas si vous avez remarqué, dans le dernier épisode, on s'est fait un petit peu écraser par le boss, mais on a tourné un autre épisode, on a eu des soucis d'enregistrement, donc on a perdu un épisode entier, plusieurs heures de vidéo. On est retourné voir le boss, on l'a battu. Et la petite technique pour battre le boss, c'est de foncer sur lui et de s'intéresser qu'à lui, à le taper. Si vous vous intéressez à ces invocations, vous n'y arriverez jamais. N'est-ce pas, Motu? D'ailleurs, bonjour, Motu. Salut. Oui, effectivement, quand on s'occupe que des renforts qu'il appelle, ça devient infernal. Donc, on rush chez le boss, il rentre dedans. Attention, il met des belles baffes quand même. Ouais, et il tape très vite. Oui. Ce que nous avons fait dans l'autre épisode aussi, je vous montre sur la carte, on a pu aller à cet endroit-là, qui s'appelle l'entrée de la grande route de Durin. Là-bas, on a rencontré le corbeau albinos, donc le corbeau blanc, qui nous a expliqué que, en gros, ce qu'il nous a expliqué, c'est que le chemin était bloqué à cause de l'ombre violette, là, et il faut trouver un autre chemin pour descendre dans les profondeurs. Donc, pour ça, il nous a indiqué un autre chemin qui se trouve par ici, donc on va aller par là-bas. Donc, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, mais on va y retourner pour vous montrer un petit peu le chemin qu'on a emprunté pour se rendre jusque là-bas. Alors, ben, c'est parti, hein. On est prêt. Allez, en avant. D'ailleurs, on s'est fabriqué, vous voyez, dans mon dos, c'est un objet unique. C'est une torche qui s'use jamais. Là, on l'a découvert, on a pu le fabriquer grâce à des cristaux. On a trouvé, on va vous montrer aussi tout ça. Cool. Vous voyez la petite torche, chacun la torche surtout dans notre dos, elle éclaire plus derrière. Mais si je la prends dans les mains, franchement c'est plutôt pas mal du tout. Allons-y. Ah mince. Oui. Et donc on peut y aller. Ah aussi, je vous ai pas montré, on a la nouvelle pioche. Qui va nous permettre de miner des choses qu'on ne pouvait pas miner avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Est-ce que, bon, on va, ou soit on continue à aller à l'endroit, mmh, ou soit on va aller voir les petits trucs qu'on n'a pas pu piocher avant, avoir les nouveaux minerais. Je propose qu'on fasse les deux. Mais je pense qu'en avançant, peut-être qu'on va en trouver aussi. Oui. Sur le nouveau chemin. Est-ce que c'est bien par ici? Déjà ici, normalement, on a du granit. Ici, on a un granit qu'on pouvait pas taper avant. Ah ouais. Foyer en tuiles. Tiens, ça nous ouvre un chemin. Ou c'est un raccourci? On va bien éventuellement de piocher. Ah, mine d'argent. Piocher en montant. T'as vu, on a un peu de mine d'argent ici. Hein. Ah ouais, t'es en train de le faire en haut. C'est chouette. Là, t'as bien raison. J'ai récupéré du granit. Là, du granit et de la mine d'argent. Ouais, je tombe tout en bas. Allez, c'est reparti. Ouais, tu dis c'est reparti, t'es déjà loin. Non, je suis là. Ouais, ben c'est loin, moi j'ai des petits pieds. C'est vrai. Donc voilà. D'accord. Ici, on a creusé. Donc, on était arrivé à cet endroit-là. Et il y avait la machine là à reconstruire. Donc, on a trouvé aussi. C'est là qu'on a trouvé. Comment ça, ils appellent ça déjà? Les pierres bleues là. C'est du cristal éthéré, je crois. Du cristal, on va dire. On est sûr, oui, que il y a cristal dans le nom. Donc on a aussi reconstruit la pompe de cristal, donc c'est le truc de téléporteur. On a dû le reconstruire avec avec du diamant noir, des étoffes simples, je pense, et du bois elfique. Une fois qu'on a reconstruit ça, donc on va faire le chemin avec vous. Donc il faut descendre dans les profondeurs. Ah, c'est assez profond, hein, les amis. Faire du vide.
Et surtout qu'ils n'ont pas peur du vide, parce qu'il y a parfois des moments où on a les limites, limites de tomber. Comme moi là, où je suis là. Je t'ai vu, t'as sauté. Alors, on va dire que c'est plus rapide. Tu t'es mangé des dégâts? Non, même pas. Ouais. Il faut pas louper la plateforme, hein. Ouais, ouais, j'avoue, en sautant comme ça, si tu loupes la plateforme. Donc, comme vous avez vu, on avait déjà construit en dessous. Parce que on n'avait pas le choix de descendre et remonter. Donc, toutes ces zones-là, ben, on ne connaissait pas. Hein. Et donc, il faut descendre dans les profondeurs. Et on va bien profiter pour bien regarder partout s'il n'y a pas des petits trous à gauche, à droite qu'on peut emprunter. Voilà, on a reconstruit une passerelle, donc on va donc l'emprunter un peu plus bas. Et je crois qu'ici, il va falloir sauter. Oui, et faire attention. Et j'aime pas trop. Oui, hop là. Ah ouais, on avait reconstruit ça, là. Ouais. Mais ça menait à rien, là. En revanche, ici... Fais attention à la brume. Oui, donc, on avait découvert aussi cette salle. Dans cette salle, il y avait juste des araignées. Attends, tu peux venir? Attends, je suis en train de reconstruire une fissure parce que je viens de la prendre. Ouais, ça donne des bonnes leçons. Je préfère la reboucher. Voilà. Donc, regarde ça là. Indique ça, c'était quoi ça? Alors ça, c'est des sortes de piliers. Qu'il faut reconstruire, on avait déjà trouvé un auparavant. Et donc c'est les... Alors c'est le fan de Turin, de Durin. Il demande du granit. Ah bah c'est dommage, on a déposé tout le granit. Il demande que du granit? Des granits. Du granit et du cristal. Et du cristal, non, en plus on avait tout ça. Hein. Bon c'est pas grave, on reviendra. Il y en a plusieurs. Donc on avait cette salle. Où il y avait des araignées, mais là je vois qu'il y a un truc là-haut, c'est quoi ça? Minerai d'étain. Tiens, on va aller voir si on peut le faire cette fois-ci. Il est utile dans la fabrication des barres de bronze. Ah, si, on peut prendre le minerai d'étain. Maintenant on a du vrai minerai d'étain. Ah, grenade. On n'avait pas ça avant. Oui. Et je pense que c'est une des pierres précieuses qui pousse dans le... Dans l'étain. Dans l'étain. Oui. Peu d'étain. Ok, voilà. T'es encore en train de chanter, toi? Déjà fatigué. Oui. Il me demande, mais vu que je n'entends pas chanter. C'est le petit bug, là, tu vois, avec ça, ben... Vu qu'on n'entend pas son chanter, mais il a l'effet d'endurance. Il reste. Endurance infinie. Après, c'est uniquement pour... piocher. Pour le minage. Alors, je vais refabriquer mon Porsche. Comme vous avez remarqué, moi j'ai pris la torche que j'ai, c'est un objet unique. Donc j'ai pris ça. Et Moxia, elle a gardé. Elle a gardé le bouclier unique. Pas vous. Là, il faudrait le faire un peu plus haut là, non? Parce qu'on se mangeait des dégâts à un moment ici. Parce que c'était trop bas. Maintenant, c'est passé. Alors, regardons... Ici, on a sauté. Hop, tu vois, en face, là-bas, c'est de là-bas qu'on vient. Ouais, il y a des plateformes. Dans l'ombre... Pourquoi dans l'ombre, alors que j'ai ma torche? Et fatigué. On se fatigue assez rapidement, je trouve. Ah bah, le minage. Le fait de miner... Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais. Continue bien. Alors, on va redescendre ici. Non.
redescends. Vas-y, je vais arrêter de chanter là, parce que voilà. Ah merci, parce que j'avais le message aussi. Ah d'accord. On sait que c'était que moi. Non, non, il me proposait de venir chanter avec toi. Il y a une belle descente, hein, on ne peut pas dire. Hop là. Bon, ici, on a eu un message de Gandalf qui nous disait qu'il y avait un chemin qui nous permettait de descendre plus rapidement. Effectivement, il y avait un chemin qui nous permettait, mais en refabriquant le petit pont qui est à côté, on y arrive plus vite. Et je crois que c'est à partir de la Urco, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est à partir de la Urco, si je dis pas de bêtises, que tu as trouvé le bois. Non, c'est vraiment pour fabriquer une pioche. Plus profond. Ah, oui. Est-ce que tu sais pas ce qu'il y a en face? Le bois d'en bas, Sam, ou je sais pas quoi là. Voilà, il y en a un là, d'ailleurs, attends, que je montre à quoi ça ressemble. Donc nous, on était arrivés par ce chemin là la dernière fois, on avait pris le grand chemin. Ça. Donc il y a ce bois, c'est des ça ressemble à des champignons. C'est ça qui donne notre bois Absam. Comment ils appellent ça? Bois Ubassam. Ubassam. Donc le bois qu'on recherchait depuis tant de temps. Donc on en était là, donc... Non, on était descendu un petit peu plus. Il faut remonter par là. Oui, si ça fallait remonter, et ici c'était... Ah, c'est risqué, oui, c'est chaud. Oh. C'est celui qui fait peur, hein. C'est le petit... Attends, je vais remédier à ça. Voilà. Ça fait moins peur. Et j'arrive même pas... Ah, voilà. Effectivement, par là, il y a une échelle qui descend. On redescend. Allez, c'est parti. Enfin, je dis c'est parti, on est parti depuis longtemps. Mais bon. J'ai l'impression qu'on a du bois là. Oui. Au point. La pioche c'est mieux. Ah oui, tu l'as bien joué. Mais ici, on était tombé. Et on avait continué là-bas. Ouais, il y a des petits bois. Hop. Et nous voilà arrivés tout en bas. Et à partir de là, ah, voilà. Presque l'inconnu. On est... Ben oui, là on est arrivé tout en bas. D'ailleurs, ça c'est quoi ça déjà? Ah oui, mais maintenant on peut le piocher facilement. C'est de l'étang. Donc comme vous voyez ici aussi, il y avait beaucoup de bois, il y avait beaucoup de champignons à Bassam là pour avoir le bois à Bassam. Et là on a reconstruit aussi cette pierre de cartographie qui est la ponte de cristal 2 pour descendre directement dans les profondeurs au lieu de se taper tout le chemin qu'on vient de se faire. Donc ben on en était là donc c'est aussi une découverte pour nous. Donc il y a ce chemin ici, attends il y en a aussi un autre au bout là-bas. J'ai l'impression, on sait pas ce que c'est. Enfin, on sait pas s'il y a un chemin, plutôt. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Et on passe. On dirait qu'il y a deux petites pièces quand tu regardes la carte. C'est un cul-de-sac aussi? Ah oui, on vient de là-bas. Ah, non, c'est pas forcément un cul-de-sac, j'ai l'impression que c'est une autre pièce. On peut y aller par ailleurs, en passant autre part. Je ne vois pas par où tu peux... Ah, tu es là. Ok. Bah, allons-y. On est très, très, très fatigué. Ah, voilà, vous voyez les gros champignons là? C'est exactement ça qui nous donne le bois. Il y a beaucoup de brume, fais gaffe. On va se mettre sur le côté, ce sera mieux.
Il y a une petite statuette au fond là-bas. Ah ici là, il faut vraiment pas louper les bois Absam là. Absam. Ouais. Ubassam. Ah t'as vu? T'es revenu en bas à droite. Donc on est vraiment dans une nouvelle zone où on n'a pas encore tué tout le monde. Ah oui. D'accord, effectivement. Maintenant on peut attirer des ennemis. Et bien. Et donc là c'est vraiment les sous-sols. Il y a des champignons bizarres qui poussent un peu. Enfin, des champignons bizarres. C'est pas des champignons bizarres, c'est notre fameux bois. Attends, avant d'avancer dans le chemin par là, on va plutôt aller là-bas. Tiens, c'est quoi ça? Les gros champignons comme ça. Je pense que c'est du... Pareil, c'est du bois. C'est ça? Et ça donne des champignons aussi? Non. Pas spécialement. Et on va regarder par ici avant d'avancer là-bas. On va prendre champignons. Oh! Champignons brasier. Un nouveau truc. Alors je construis la statue. Ok. Les bottes, des nouvelles bottes. Ouais. Les belles gosses. Belles gosses. Attends, tu retournes en arrière déjà? Non, parce qu'il y en a un autre là. Donc j'ai de la pierre, autant reconstruire. Ouais. J'avoue. Oh! Ah! Arbalète! Ah. 1 sur 3 mais ah quand même. Voilà. Donc on sait qu'on peut accéder à l'arbalète bientôt. Nos armes brillent. Je l'entends chanter. J'entends un sifflement. Ah tiens, mais ça c'est bien tu vois. I need a better weapon for this. Du granit, tiens. Pendant que moi je me bats, toi tu prends du granit. Oh il m'a empoisonné. Mais viens, je suis en train de me battre là tu sais. Oui, je suis là avec toi. Ah d'accord. Tu sais, ils m'ont empoisonné. Ceux qui ont les lances, ils empoisonnent. Oh, puis ils sont costauds, hein. Ouais. Bah, c'est autre chose que les lances. Attends, on en a un derrière nous. Bim. Très très costaud. Ouais. That's all you got? Ah, je pense qu'il faudra qu'on fasse les nouvelles armes. Ouais, mais si on n'a pas, on peut pas s'en faire. Allez, il faut qu'on trouve des rubis. Un jugement précieux. This one's done in. Run in the deep. Oh là 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 là. Ok. Bon, on va rester là, il y a une horde qui nous tombe dessus. Alors, on fait une technique de. Peut-être qu'on peut se creuser. Attends. Passage là-dedans. Ça arrive, je te fatigue pas trop. Ça peut nous permettre de nous créer un abri. De l'avoir déjà vu en fait. Derrière, avec une lance. Il est plus là. Il pop vraiment de nulle part. Ça, c'est nul, je trouve. Je veux pas te dire, ouais, je me mets dans un cul-de-sac comme ça, il peut arriver que par devant.
Ah ouais, on peut plus charger. Épuisement, j'ai carrément. Ah là-bas. Ah, avec des nouvelles bestioles qui volent. C'est pas une bonne option. Ah, on a récupéré de l'os. L'os émergé. Suivez la route, nouvel objectif. Donc on a atteint un nouvel objectif ici avec l'épuisement qu'on a. Je sais pas si c'est intelligent. I need a better weapon for this. Ah oui, je vais un peu une arme. Pas blague. Profondeur inférieure. This place feels rather wild. T'as vu les insectes là? Oh, ils les attaquent eux et nous aussi. Ils sont costauds. Ouais. Oh, derrière, attention. T'arrives pas derrière. Je
fais gaffe derrière toi. Il y a presque plus d'armure. On va essayer de se faire d'un coup, c'est vrai. Voilà. Il nous a donné de la chitine. Il y a beaucoup de bois, bah ça m'y en a encore un autre. The ancient pilgrim road Arak spoke of. I hope it still leads to the eastern stairs, the way back up. This must be it. The ancient pilgrim road Arak spoke of. Pierre historique. Pendant la première et deuxième âge, les nains de toute la terre du milieu entreprenèrent un long voyage pour célébrer le jour de Durin. Le chemin rituel commençait au Miraland, où Durin vit le signe dans le lac. Il passait ensuite par l'escalier oriental, descendait vers le tombeau des rois et traversait les profondeurs inférieures jusqu'à la bibliothèque en amont de la Kibil Nala. D'accord, du miel. Alors, il y a plusieurs salles. Nous, on est arrivé par de là-bas. Et si on commençait par la gauche? Allez, de la brume. Hop, voilà, c'est faire des ponts. Où t'as trouvé un chemin? Bon, j'ai trouvé qu'un chemin, mais on va voir se faire des ponts quand même. Ou pas. Hop là. Une grande grotte. Ouais, je vois ça. Il y a un autre passage à gauche. Ah la brume. Ah t'as vu la statuette. Objet ajouté, statuette. Statue de la muse Nakan de Gaï. Ah. Oula, les statues ici, ça va être compliqué à les retrouver. Hein. On a un chemin de terre là qu'on peut ouvrir. Ouais. Un pilier en bois. Éboulement, faut faire gaffe. Oh, résine. Résine. Pas mal, il n'y en a pas. Hein. Allez, chantons. Ok, vas-y. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On se retrouvera le dimanche 10 décembre pour la suite. On dit ciao ciao à Moutou. À la prochaine. À la prochaine.